coups de vent et le mistral du Questonnet. Pour vivre au rythme de la F1, il faut bien supporter les différences de température. Dans le froid cette fois, les Lotus et les Renault ont encore tenu la vedette. Patrick Cambay, déjà victime d'une sortie de route sur une plaque d'eau au mois de décembre, a quitté la piste jeudi également, cette fois à cause d'une rafale de vent. Le vent qui a rendu les essais très difficiles. Le Français est déjà sous pression.